Qu'est-ce qu'un leader? Si l'on en croit le catch en Europe, un leader, c'est quelqu'un qui a atteint le sommet, peu importe les moyens, et qui se permet de cracher sur tous ceux qui sont en dessous de lui. Eh les gars, réveillez-vous, c'est pas ça un leader. Alors, moi je prétends pas en être un, qu'on soit clair. Mais tous ceux qui sont soi-disant des leaders du catch européen ne le sont pas non plus. Qu'on soit bien clair, par n'importe quel moyen, ok, pas de problème, ça me dérange pas. Vous avez le droit au piston, il n'y a pas de souci. Si moi j'avais un piston, je saisirais. Mais quand tu commences une course à pied, 10 mètres devant les autres en Ferrari, quand tu arrives à la ligne d'arrivée, tu ne te retournes pas vers les autres pour dire « Ah, vous êtes nuls !» Non, tu es humble et tu respectes. Et ça, c'est un truc qui doit rentrer dans vos têtes comme papa et maman que vous n'avez pas compris. Un leader, ce n'est pas un mec qui écrase les plus faibles, c'est un mec qui les aide à devenir plus forts. Dans la meute de loups, un leader, c'est celui qui est à l'arrière et qui s'assure que tout va bien pour l'avant. Mais ça, vous ne voulez pas le comprendre. Alors vous êtes là à dire, ouais, le catch va mal, c'est à cause de gens comme Reynaud, machin, machin, ok. Moi, il paraît que je suis le cancer du catch. Très bien, c'est un nom que je porte avec fierté si ça veut dire ne pas vous ressembler. Vous prétendez aussi vouloir redorer l'image du catch. Mais vous attendez quoi pour venir me chercher? Je suis là, j'affronte n'importe qui. Le ring, il est là-bas, à la BPWF. Je défonce n'importe qui, je suis prêt à affronter n'importe qui. Mais là, c'est les excuses qui commencent. Ouais, mais Reno sur un ring, ça va faire rentrer personne dans la salle. Et dans la même phrase pour essayer de m'enfoncer, ouais, rien que moi sur l'affiche, ça fait rentrer toute la salle. Bah alors tu peux affronter un balai à chiottes, la salle sera remplie. On est d'accord? Donc tu peux m'affronter. Donc ne cherche pas des excuses. Il paraît que je suis mauvais, il paraît que je suis prenable. En plus, maintenant, il y a un titre à récupérer. Alors c'est vrai, je suis pas un leader. Et c'est vrai, j'ai peut-être pas l'étoffe d'un champion. Mais c'est justement parce que je pense que je mérite pas cette ceinture que je vais tout faire pour la mériter. Et ça commence par la première étape, défendre cette ceinture. Alors puisque vous, vous semblez pas avoir les tripes pour venir me chercher, il y a un gars qui a décidé de tenter sa chance. Alors faut voir la vedette. Hein. Déjà, le mec a les cheveux bleus comme ça, il s'est dit, ouais, ça fait grec. Non, ça fait Chloé, 26 ans, combat le patriarcat et refuse de se raser les jambes. Voilà, juste ça, comme ça tu sais. Il s'appelle Manic, comme le gant hein, pour porter les plateaux brûlants. Et Manic a décidé qu'il allait tenter sa chance pour le titre intercontinental. Alors moi, comme j'ai dit, j'affronte tout le monde. Manic m'a également proposé de rejoindre la NPW, sa structure. Et là, je me suis dit, pourquoi pas? Puis j'ai vu son match, sa ceinture, son champion, je dis pourquoi faire? Non, parce que sérieusement, la ceinture, c'est une réplique de la ceinture WCW, j'en ai déjà une dans ma chambre, j'en ai pas besoin. Son champion, c'est Neken. Il a fait un match, le mec, c'est un rookie de un match. Il a même, je suis même pas sûr qu'il ait sa place dans la division rookie de la Experience Wrestling. Il a fait un match. Mais le pire dans tout ça, Manic, c'est toi. Parce que ce match était une catastrophe. Et toi, tu montres ça sur Internet, t'es fier de toi, alors que tu t'es fait briser la race deux fois par un rookie. Et je regarde ça, je me dis, la place de Manix, c'est à la cuisine. Vraiment, pour de vrai. Et quand je regarde ça, je me pose une question. Est-il possible que je perde contre un mec dont le style de catch est plus dégueulasse que mon historique Internet? Ça existe encore, Internet, d'ailleurs. Peu importe. Alors, Manix, tu veux m'affronter? À Recycla, c'est toi contre moi. C'est officiel. Félicitations. Mais je te conseille de te mettre en tête qu'un match contre Reno, c'est pas aussi simple que tu l'imagines. M'éliminer d'un Rumble match, ça fait pas de toi un champion. Là, il va falloir qu'on mate dans l'arène. Et Recyclard, c'est un peu un de mes favoris. Donc tu seras dans mon arène, tu seras chez moi. Ça se passera pas de la même façon. Tu seras pas avec tes potes. Tu seras pas avec les miens non plus, tout le monde me déteste. Quant aux autres qui me critiquent, Manic, je vais le mettre à genoux et je vais lui coller deux balles dans la gorge, comme quand vous réclamez un booking à votre gourou. Mais ce qui va se passer ce soir-là, c'est une défaite. Pour Manic, pas pour moi. Alors vous êtes en train de dire que moi, je ne suis pas un catcheur, que moi, je ne devrais pas être sur le ring, que moi, je devrais ci, que moi, je devrais ça. Vous avez raison. C'est vrai. Je me suis entraîné à la BPWF, je ne suis pas un catcheur. Quand je vous entends parler, je ne suis pas un catcheur. Vous êtes là, vous vantez d'être des comédiens, d'être des saltimbanques. Ouais, je ne suis pas un catcheur. Moi, j'ai été entraîné par la BPWF, je suis un putain de guerrier. Je suis un putain de champion. Et je suis un putain de meilleur catcheur de Belgique. Je le dis, je le sais, je le pense. Et je le prouve. Time!